Et donc, bonjour à toutes et à tous, c'est Dazer, et on se retrouve pour la suite de Suikoden 2, voilà. J'allais dire Roald d'armes, le truc sans rapport, on va savoir pourquoi. Donc, dans la dernière vidéo, on est en train de faire la quête de Dean, voilà, alias du héros de Suikoden 1, et on est toujours en train de la faire d'ailleurs. Et vu qu'un combat se lance, on va en profiter pour tester quelque chose. C'est que vous m'avez fait remarquer un truc dans les commentaires, enfin vous me l'avez dit plutôt, c'est que Dean avait une attaque en duo avec Kles, et ça putain de bordel de merde, je veux la voir. Alors attention, là j'ai hâte de voir le résultat, allez c'est parti. Alors l'attaque en duo, qu'est-ce qu'elle fait? Mon ami, forcément, voilà, alors attention, attention, tiens. C'est tout? Il faut que taper? Oh. Bon bah, j'en ai un peu trop attendu de l'attaque, on va dire, voilà. Parce que dans les commentaires, tout le monde m'a fait « Oh, Dazer, il y a une attaque en duo entre les deux persos, faut que tu la fasses !» Moi, je me suis dit « Putain, ça va être un truc de ouf !» En fait, on les voit que taper, voilà, mon côté fanboy a été dupé. Je vais dire ça, j'en ai trop attendu, on va dire. C'est ma faute. Bon, voilà, j'espère que vous n'aurez pas été trop triste des résultats de l'attaque. Elle est pas top, hein, malheureusement. Donc du coup on va continuer à avancer, voilà, faut toujours qu'on aille à Greenmaster pour aller voir un dessin pour un dessin. Oh, qu'est-ce que je raconte? Pour aller voir un médecin, voilà, et pas un dessin. Un médecin pour guérir ce cher Kou qui nous accompagne, hein. Vous vous souvenez, on l'a ramassé, le gosse qui s'amuse à se déguiser en classe parce qu'il est un peu fan de nous. Un peu glauque quand même, hein. Le gosse, c'est limite, en fait, c'est un peu comme si, genre, à notre époque actuelle, il y avait un gosse qui se déguisait comme un mec qui faisait la guerre dans nos rangs, quoi. Ce serait glauque, quoi. Vous imaginez le gosse déguisé en soldat qui joue dans la rue? Ce serait pas joli à voir. Et vous là-bas, après cette porte, c'est la réplique de Toran. Mais c'est vrai! Oui, c'est vrai! C'est Seigneur Dean! Seigneur Dean, vous êtes revenu! Varkas, cet enfant est empoisonné, nous devons aller voir le docteur Liu Kang. Quoi? D'accord, j'ai compris, je vous emmènerai Master plus vite que je peux. Bon bah c'est parti. N'empêche que je me demande exactement où on est positionné à partir de la map de Greenmaster. Ce que je veux dire, c'est que le monde de Suikoden 2, est-ce qu'il se trouve à l'est, à l'ouest, au nord, au sud de Suikoden 1? Je sais pas exactement, j'avoue que je me pose la question dans les commentaires, si quelqu'un sait, ce serait sympa. Non, même mieux, s'il existe, alors ce serait génial, une map qui montrerait chaque époque de Suikoden et qui, genre, entourerait ou expliquerait où se passe chaque Suikoden et en quelle année. Parce que, bien sûr, les Suikoden ont des années différentes, putain, ce serait énorme. Enfin, bref, je m'écarte du sujet. Alors, le poison a plus ou moins sorti de l'organisme du garçon, vous pouvez prendre du repos. Cool, bon, comme ça, on est tranquille. Oh, merci, mon Dieu, merci infiniment, docteur Liu Kang. Allons, c'est mon travail, eh bien, veuillez m'excuser. Le travail du médecin n'est jamais terminé. Ah putain, lui, je me rappelle, je faisais la voix du grand père Simpson dans Suikoden 1. Mais bon, de toute façon, il se barre, donc... Au revoir, papy, tu viens de manquer. Ah, du coup, on va avoir une discussion avec Le Pente, non? Enfin, Raon. C'est plus Raon maintenant, c'est dommage. Seigneur Le Pente, oula, Seigneur Le Pente, n'importe quoi. Seigneur Dean, je suis très heureux que vous soyez sauf. Je suis très heureux aussi que vous soyez de retour en République de Toran. Le bureau du président restera toujours le vôtre, veuillez me suivre. Ah, il veut pas prendre la place du roi, forcément. Seigneur Dean, pourquoi? Président Le Pente. Pourquoi avez-vous quitté cet endroit de toute façon? La République Toran est le pays pour lequel vous avez combattu et fait couler le sang pour construire. Le pays que vous avez fait, il ne serait pas normal que moi ou quiconque soit à la tête de cette charge. Ce bureau est à vous. Ouais, lui, il a pas envie de vivre en étant un leader d'une grosse patrie, quoi. Mon cher, ce que vous dites ne changera pas son idée. Dean est un garçon. Et les garçons ont toujours les yeux fixés sur le... Ouais, en gros, ça veut dire que Le Pente est une meuf. Révélation, les gens. Il y a des choses plus importantes que de rester confiné dans une pièce sans air et sans être et à être appelé président. N'étiez-vous pas pareil aussi? Ouais, maintenant c'est du passé. Maintenant il a changé de sexe et maintenant c'est devenu une meuf. Du coup maintenant il préfère rester dans une pièce confinée et se faire appeler président. Je vois. J'essaierai pas de vous convaincre, mais promettez-moi de nous revenir un jour. Ouais, forcément. Il sera plus grand, fera guilde. Putain, ça aurait été énorme que genre, dans les Suikoden suivants, on revienne encore à Greenmaster et là, qu'on voit Dean vieux qui soit président. Oh là là, ça aurait été un putain de fanservice de ouf là. Je ne vous garderai pas plus longtemps, je sais que vous êtes attendu. Forcément qu'il faut qu'on ramène le petit garçon d'où il vient. Du coup, attendez, dans mon équipe, là, j'ai toujours... Ah, ça fait du bien. J'ai toujours le héros de Suikoden. Ah, ça, c'est cool, là. Ça, c'est cool, là.
Par contre, là, faut que j'aille où alors? Bon, je suppose qu'il y aura une scène dès que je vais sortir du château. Ah, oh, putain. Ah, les vêtements de charisme! Les vêtements de charisme! Oh, putain! Ah, mais non, mais sérieux. L'existence de ce jeu, il est énorme, quoi, merde. Putain, non, mais vraiment. On voit la différence entre le moment où on est au début du jeu et le moment où on bat Lucas. Alors là, oh, cette scène, putain. Jeune maître. Jeune maître, il y a si longtemps, je suis heureux de vous voir. Je suis rentré car je présentais votre retour. Putain, il y a même Pan, quoi. Oh, dites Pan, vous êtes revenu parce que vous n'aviez plus d'argent. Oh, voyons, on dit pas ça devant le jeune maître. Heureuse de vous revoir, jeune maître. Comment s'est passé votre voyage? Vous étiez payé intéressant? Heureuse de vous revoir, dit. Vous êtes parti si vite, tout le monde se faisait du souci. Je voulais montrer les progrès que j'ai fait en cuisine depuis 3 ans, mais avec vous, ce n'est pas possible. On voit que tout le monde s'inquiète pour Dean, mais Grémio, rien à branler. Putain, on mange chez Dean, quoi. On mange chez Dean. On mange chez Dean, les mecs. On dîne chez Dean. Oh putain, c'est un jeu de mode ouf. Oh là là, c'était magnifique. Elle est sympa la musique en plus ici. Oh là 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 là. Mais c'est du fan service. C'est pas possible. C'est du fan service. Oh putain. Il y a la tête de Ted accrochée au mur. Regardez là, le portrait c'est Ted. On le reconnaît un peu. C'est brouillon. Hein, parce que forcément c'est un petit portrait. Mais on voit bien que c'est Ted quoi. Putain. Oh mais les bâtards. Ils poussent le vice jusqu'au bout les fourbes. Oh, mais si ce n'est que Macless, voulez-vous pas vous reposer? Non, on veut pas se reposer. Mademoiselle Cléo. Nel Cléo, ok. Comment allez-vous? Je pense comme toujours à vous. Hein? Pourquoi il pensera à elle alors qu'il la connaît pas plus que ça? Non, je vais dormir maintenant. Je pense toujours à vous. Eh, c'est pas mal, vous ressemblez au jeune maître avec plusieurs points. Ok. Cless, est-ce dur pour vous de faire la guerre? Il y a 3 ans, le jeune maître, enfin, Seigneur Dean, se battait comme chef de notre armée. Il a... Oh là, j'ai passé un mot là. Des gens, mais je pensais que Seigneur Dean personnellement gagnant cette guerre. J'ai une raison de me battre. Ouais, faut se battre pour que la guerre stoppe. On fait la guerre pour que la guerre s'arrête, c'est logique. Cless, quel enfant fort. Vous ressemblez vraiment au jeune maître d'il y a 3 ans. C'est vrai, maintenant c'est un branleur. Merci d'avoir parlé avec moi, Cless. Au revoir, madame. Même si je vous appelais monsieur autrefois parce que vous ressembliez à un mec. Ah. Dean et Kazumi ont passé la nuit ensemble, c'est logique. Excusez-moi, pourquoi elle vous voit? Cela faisait bien longtemps. Il y a 3 ans que nous sommes battus à Rokaku. On dirait pas que Slider n'a jamais eu lieu. Tous ont une nouvelle vie. Kerkis a reconstruit le village des elfes et Kurobimi est devenu le chef du village de Kobold. Tu vois comme quoi voilà, la preuve que Kurobimi n'est pas Gen-Gen. Putain, je m'en serais jamais douté avant ce moment-là, quoi. Heureusement qu'Arawa l'a dit dans les coms. Enfin bref. Et moi, j'ai grandi, mais... Seigneur Dean, vous avez pas changé du tout. N'empêche, dans un sens, c'est un peu chelou que... Enfin... Ouais, ça veut dire le village des elfes a changé de position depuis le 1, vu qu'à la fin, il... Enfin, dans le 1, il est carrément brûlé, le village des elfes. Merde, c'est un peu du spoil, je dis. Bon, bah, désolé les gens qui ont pas fait le 1. C'est pas plus du spoil que ça, je veux dire, ça touche un peu l'histoire, mais sans plus. Donc, c'est-à-dire que voilà, quoi, ils ont dû le recréer ailleurs. C'est vraiment, comme l'a dit Luc, vous n'avez pas grandi du tout. Hein? Luc lui a parlé? Une vie sans fin. Ah bah oui, en même temps, il peut pas grandir vu qu'il a la rune. Pardonnez-moi, je suis idiote. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Salut, monsieur. En gros, ce sera un peu ça, c'est japonais. Seigneur Dean. En fait, je crois que Kazumi, enfin, apparemment, c'est ce que j'ai pu comprendre en recherchant à chaque fois des previews pour mes vidéos. Les fans, enfin, il y en a des qui considèrent que Dean, en gros, il sera avec Kazumi, quoi. Donc on peut considérer que c'est pour ça que Kazumi est un peu... Ouais, peut-être que ça se trouve c'est la vérité, hein. Peut-être qu'on en apprend plus dans le novel de Suikoden, mais Suikogaiden, mais je sais pas. Donc c'est peut-être pour ça que les fans mettent Kazumi et Dean ensemble. Mais que Kazumi est... se sente mal à propos du fait que Dean n'est pas grandi, quoi. Il s'est passé du temps, mais tu viens d'être revenu ici. Jeune maître, même si cette maison est pleine de souvenirs douloureux, c'est tout de même votre maison. Putain, j'aimerais contrôler Dean, quoi, merde. Mais le contrôler vraiment, que ce soit le héros, putain, je le kiffe. Mais là, oh, il a la classe. Bonjour, Cless. Ko, mais je comprendrai jamais s'il s'appelle Ko ou Ku.
Semble en grande forme. Varkas nous attend au château, il faut partir. Tout le monde dit Ko, mais la première l'a appelé Ku. Nous accompagnerons jusqu'au bout du... Tu sais, ça se trouve, en fait, ils ont eu la flemme de mettre un U en plus. Bon, bah... Par contre, il est où, le gosse? Parce que c'est bon, il est guéri, mais il est pas avec nous, là. Ah bon. De toute façon, il nous reste des trucs à faire avant de partir, parce que je veux aller voir la meuf tout à gauche. J'ai oublié son nom. De toute façon, on va le voir dans 2 secondes, attendez. On va scanner cette conne. Ah, là, voilà. Lorelai, voilà, voir si elle peut rejoindre enfin notre groupe. Venez avec nous. Venir avec vous, moi j'ai de l'armée d'Eli, mais allez-vous gagner. Est-ce que je suis assez haut level pour toi, mademoiselle? Bien, des rumeurs parlent de ruines de Sindar près de Muse. Et on dirait vraiment que la déesse de la victoire vous sourit. Ok, ça sent la quête annexe avec elle. Enfin, je crois, si quelqu'un a des informations, ce serait sympa de le dire. Est-ce qu'il y a parlé de ruines? Que voulez-vous faire? Voulez-vous que je vienne avec vous tout de suite? Bah oui. Ah, ou alors au château. Ouais, allez, viens tout de suite. On va voir ce qu'elle a. Bon, bah Kazumi, vu qu'elle me prend de la place, vu que c'est pas un C, je peux la virer. Voilà. J'aurais bien voulu mettre Grimion dans l'équipe, mais apparemment on peut pas pour le moment. Donc on va attendre de la voir, enfin, ou de pouvoir le prendre. Là tout est bon. Oh, c'est devenu une M, Lorelai. Ah, peut-être qu'elle s'est enfin débarrassée de son arc pour prendre son fouet, je sais pas, on va voir. Ça sera la surprise. Du coup, là j'ai vraiment des choix. Hop, donc je vais mettre chaque voile à l'arrière. Voilà. Ouais, on est bon. Allez, rentre-moi dedans. Ah, ça m'excite, bordel de merde. Bon, là on peut pas aller voir le mec du. Le représentant, je sais plus comment ils appelaient ça, les généraux, voilà, qui. Le général qui vivait ici dans le 1. Parce qu'il y en avait un. D'ailleurs, en écoutant un drama CD, vite fait, j'ai vu que le général. J'ai appris un truc, c'est qu'en fait, le général, en réalité, il parle français. Dans la version japonaise, parfois il dit des mots en français, apparemment. Donc j'ai trouvé ça sympa. Ah, oula, oula, lui il a une image. Je sens qu'on va. C'est, je crois que c'est lui, à mon avis, le mec qu'on peut recruter avec le. Je vais lui faire du commerce. Mais bon, forcément, pour faire du commerce, faudra que je ferai ça hors vidéo, hein, ça je l'ai dit. Donc, hors vidéo, je ferai plein de commerce. Je crois qu'il faut gagner une certaine somme. S'engager dans quoi? Expliquez-moi, mon garçon. Ok, la transition explicative. Je pense qu'il n'en joindra pas, hein, s'il faut vraiment avoir fait beaucoup de commerce. Bien sûr, je comprends petit, je veux dire, seigneur classe. Je pensais laisser ce magasin à mon fils en ouvrir un autre. J'ai entendu dire que Chou, le célèbre négociant, est à Justin. Je serais heureux de faire du commerce avec vous, mais d'abord, seigneur classe, je voudrais savoir si vous avez le sens d'affaire. Si vous arrivez à gagner 50 000 poches tout seul, je m'engagerai à vos côtés avec plaisir. Ah, j'en ai gagné durant les combats, ça compte pas? Ouais, ok. Ouais, ça compte pas. Donc je me préoccupe de faire du commerce hors vidéo. Voilà, 50 000 poches à gagner, ça va être long. Mais bon, le résultat sera là, un personnage en plus. Je pense pas qu'il y ait de perso ici à côté ou quoi. Je fais un bref tour, vraiment bref, hein. Même le tour, il me prend déjà la tête. Il me paraît inutile. Ouais, non, il me paraît vraiment inutile. Bon, sinon, c'est elle, hein, la meuf qui nous file dans le premier. Enfin, qui nous file la rune cyclone quand on vient ici la première fois, hein, fallait lui parler. J'étais revenu le faire en vidéo, évidemment. Hein. Au dernier moment d'ailleurs, hein, parce que je trouvais pas où était la rune, et en fait, c'est quelqu'un de l'écom qui m'a dit: ah, mais c'est l'aubergiste. Bon, ouais, j'étais revenu. D'ailleurs, ici, ouais, ils vendent des runes de ouf, hein, si vous voulez vous faire des bonnes runes. Niveau attaque, il y a des bonnes runes. Même d'ailleurs, tiens, en parlant de runes, je vais aller justement. Ah bah tiens, je sais, je vais prendre une rune pour. Normalement, il y a une rune ici pour. À moins que je puisse déjà. Bon, attendez, déjà, je vais faire un truc, je vais retirer la classe. La rune chimère, parce que c'est vraiment de la merde, on peut le dire. Bon, elle est peut-être bien, en tout cas, j'ai jamais vraiment compris son principe. Et elle utilise même pas de magie, donc bon. Un ami, ok. C'est vrai qu'il a une rune étincelle celui-là, putain. Tengar, oh. Ah, classe. Du coup, ce que je vais faire, alors, attacher. Ouais, bah je vais acheter déjà. Hein. Alors, il me semble justement qu'ici,
Ah, y a pas? Ah, bah je me suis trompé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que voilà, cette rune Goz attaque une rangée pour bâton. Je pensais qu'en gros, c'était une arme pour bâton. Et qu'on pourrait la mettre à Dean quand on l'aurait. Mais vous voyez que non, apparemment, on peut pas l'y mettre. Donc, c'est une arme, enfin, une rune qu'on peut mettre à l'ourlet. Donc, apparemment, l'ourlet se bat avec un bâton. Vous savez quoi, du coup, je vais lui acheter. À moins que j'en ai déjà un, je vais vérifier. Ouais. Voilà. Bon, bah. Voilà. Je sais pas si ce sera bien ou quoi, mais bon. Ça a l'air donc cool. Bon, bah, je pense qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire ici pour le moment. Hein? Voilà. Je fais vraiment un bref tour. Hein, parce que j'ai pas envie de rater le truc, ça me ferait chier, mais bon. Pas que je passe ma vie ici non plus, hein. Une maison avec des maids. Bonjour madame la maid aux cheveux bleus. Ouais. Bah on va bouger d'ici. Hein. Voilà. Et oh. Putain, dans la 1 on pouvait passer entre ces trucs, tiens. Faut carrément aller au château en plus. Hein. Bon, pourquoi pas. Ah bah voilà Kou. Ou Ko. Ko, tu vas mieux? Oui, ça va maintenant, monsieur. Ils m'ont fait boire des remèdes tellement mauvais. Ah bah, moi, tu vas bien. Monsieur, vous êtes le général Kless, n'est-ce pas? Et vous, le général Dean? Ouah, terrible, je rencontre deux héros en même temps. Tu l'as dit. Seigneur Kless, je vais vous escorter jusqu'à la frontière du pays. Vous êtes prêt? Oui, merci. Très bien. J'ai fait tout ce que j'avais à faire avant, donc ouais. Seigneur Kless, nous séparons ici. Adieu. Merci, monsieur. Et j'ai toujours Dean avec moi pour le moment, donc profitons-en. Oh putain, carrément, on revient au village. Ça c'est. Attends, non, oula, là par contre j'ai peur. Kless, je suis sûr que votre combat continue, mais je sais que vous avez réussi. Je le sais, car je vois dans vos yeux cet espoir qui brillait dans les yeux du jeune maître. Je ne sais pas si c'est un cadeau du ciel ou simplement le destin, mais Kless, oula, j'ai passé une ligne, désolé. Non, restez! Pour l'instant, jeune maître et moi allons rester à Grimminster. Le jeune maître veut passer quelques temps dans sa vraie maison. Si vous passez à Grimminster, venez nous voir, je vous ferai un ragoût de ma spécialité. Ah oh, putain, et voilà, bah là si on va à Grimminster et qu'on leur parle, en gros, ils pourront se joindre à nous. Mais bon, faut avoir le courage d'aller à Grimminster, et je l'ai pas actuellement, donc on va pas le faire maintenant. Bon, je suis désolé, hein, j'aurais bien voulu le prendre, mais bon, là je suis pas chaud d'y aller. Donc j'irai hors vidéo plus tard, mais là, non. Bonjour à vous, prenez soin de vous. Tu veux pas te joindre à moi? Le gosse, il rajoute pas quelque chose, vu qu'il est censé être fils d'aubergiste, là. Seigneur Kless, parlez-moi d'Arthur, s'il vous plaît. Non. Y a que dalle. Bonjour à vous, prenez soin de vous. Ok. Ouais, je sais pas comment on la recrute, hein, peut-être pour plus tard. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à notre château. On va aller, bien sûr. On va aller dans nos sources chaudes. Et on va voir s'il n'y a pas mon nuant de Celadrion que j'avais mis là-bas. Parce que si c'est vraiment ça, putain, le boulet, quoi. Mais bon, au moins, je l'aurais gardé en sécurité, c'est le principal. Par contre, attendez, j'essaie de me souvenir où est le perso qui nous en demande une, c'est le problème. J'ai zappé où se trouvait le personnage. Attendez, je réfléchis, putain. L'urne Celadrion. Ah merde! C'était pas dans cette ville, justement. Putain, je sais plus du tout. Ah merde! On va y aller au feeling, on verra. Hop. Oui. Voilà, du coup, on arrive à notre château, on est content. Alors, attendez, le chemin que je vais prendre. Non, c'est par le haut. Et si on ne pas nous pouvait pour une fois dans ce château. D'ailleurs, je me demande si on peut pas faire un truc de cuisine, parce qu'on peut en faire tellement souvent, apparemment, que bon, voilà, quoi, j'ai un doute maintenant. Mais je ne vais pas aller voir, parce que si on peut en faire un, je vais pas déjà faire ça de la vidéo. Voilà, vu qu'après, je vais continuer l'histoire. Alors, oui, je veux aller dedans. Putain, ils ont même fait l'écho dans la... Oh, non, mon harem est à gauche. Alors, voilà, c'est bien mon urne. Urne Celadrion. J'ai eu du bol de la dropper sans le vouloir, quoi, merde. Ah, sinon, en fait, vous voyez les sources chaudes comme ça, mais faut savoir que de base, c'est pas comme ça. De base, c'est comme ça. Alors, allez. Ah, regardez cette merde. De base, on a vraiment un bain de clodo, quoi, merde. Et en remandelant, on peut toucher.
Donc là j'avais le bain cypresse, donc je vais remettre en, enfin je vais mettre en marbre, voir ce que ça fait. Oh, putain, c'est classe en marbre. Eh, vas-y, je vais laisser comme ça. On se croirait dans un bain de glace, même si bon c'est du marbre et pas de la glace. Donc on peut partir, voilà. En plus, ça aura reboosté nos persos. D'ailleurs, en parlant de perso, faut que je remette un dans mon équipe parce que là j'en ai un en moins. Ouf, je devrais peut-être prendre Luc, mais bon, je pense pas faire de gros trucs de ouf là, donc j'ai pas envie de le reprendre pour le moment. J'ai envie d'y aller tranquillou, de pas me prendre la tête. Je réfléchis surtout à où est-ce que putain du Urne, enfin où est-ce qu'on donne l'Urne Saladin. Laissez-moi réfléchir. Putain. Pour qui je prends? Allez, un perso qui est pas trop au level tant qu'à faire, mais que j'aime bien. J'ai dit que j'aime bien. Hein. On a beaucoup de limitations du coup déjà. Enfin, et aussi, c'est quoi pour moi bas level? Salon, je l'aime bien, parce qu'il peut courir sur la map du monde. Ouais, donc Esfillon, quoi. Il est quoi, L? Ah ouais, non, en fait, j'aime pas trop les L. Allez, vas-y, je vais prendre Nina, tiens. Voilà, en plus, c'est une M. Et Flic, bah, on l'encule, Flic. Enfin, tu t'en occuperas, hein. Mais bon, faut pas le dire. Ah ouais, elle est bien à droite, Nina. Ouais, c'est bon. Ah, je veux me débarrasser de Chaco aussi, attendez. C'est le mec quand il dit ça, je veux me débarrasser de Chaco. Le chacal. Le pauvre Chaco. Hein? Ah oui, il faut l'emmener avec nous, c'est vrai. J'avais zappé. Comme ça. Voilà. Voilà, nickel. Ah bah là on est bon. Alors attendez, je bois un coup. Et on est parti. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, mon dieu. Alors du coup, mon urne c'est la Déon. Laissez-moi réfléchir. Si je dis pas de bêtises, je dirais... du moins, j'avais tenté... attendez, je réfléchis. J'ai envie de tenter sous Window, parce que j'ai souvenir que c'était là que je... Ouais, c'est quoi? C'est pas en restant ici à attendre que ça venir à moi. Ah, ou sinon c'était peut-être à Two River. Oui, je le dis. Là, alors là, je crois que j'ai jamais prononcé aussi mal le nom, mais bon, c'est pas grave. Ou alors je l'ai bien prononcé, je sais pas. De toute façon, je suis une merde en anglais et je ne me prétendrai jamais être bon à ce niveau-là. C'était ici, ça? Non, non, c'était pas ici. Attendez, je voulais venir. C'était quoi? Ah oui, c'était un identificateur, donc peut-être dans cette ville, Radat. Putain, ça me saoule d'avoir oublié quoi, un truc comme ça. Il n'y avait pas un mec ici qui m'avait... Ouais, non. Ah, il m'avait déjà rejoint, je suis con. Je
pense pas qu'il y ait de trucs en plus dans cette ville. Ici, je crois que j'ai recruté tout le monde, hein. Enfin, ou du moins tout ce qu'il fallait. Ah, voilà, il était ici, je crois. Oh, putain, le con, il était à Radat. Oh, c'est quoi, il y aura une coupure jusque-là, hein, parce que là, ce sera du temps inutile de perdu pour vous, donc je préfère encore couper ça. Alors, je t'ai ramené ton urne. C'est une vraie saison, je savais que vous y arriviez. Ouais, je l'avais même avant que tu me le demandes, tu sais. Yippee! Lebrun t'a rejoint le groupe. Eh ben, ok, je crois que je vais fermer cette boutique et aller au château d'Eli. Tant mieux. Je ne pourrais pas voyager avec vous, alors excusez-moi. Bah, encore heureux. Je veux pas d'un chauve dans mon équipe! Ah, quelle horreur, je déteste les chauves. Désolé à tous les chauves qui regardent ces vidéos. Mais je pense pas qu'il doit y en avoir beaucoup, hein. Enfin bon. Je sais que sur Delhi, faut... Je vous dis ça rien qu'à vous, hein, mais ça reste entre nous. Hein. Sur une chose, c'est que sur Delhi, vaut mieux éviter de se moquer des chauves, hein, parce que... sinon, le créatif pour vos vidéos, vous pouvez vous le foutre dans le fion. Apparemment, les personnes qui s'occupent de Dailymotion n'aiment pas trop les blagues sur les chauves, d'après ce qui court sur Dailymotion, vous voyez, donc... Un conseil, attention sur les blagues sur les chauves, hein, je vous déconseille, personnellement. Enfin, bref. Passons le sujet, hein, avant que je me fasse repérer par Delhi. Faut pas que je me fasse repérer, sinon là, la vidéo elle est foutue. Hein. Cache. Alors, il me semble qu'il fallait retourner au nord, en passant par la droite, hein, si je dis pas de bêtises. Même si je sais plus exactement où est-ce qu'on doit aller. Ah bah oui, il fallait aller voir. Fallait signer des trucs à la con, donc ouais, faut retourner à Highland, je crois, non? Enfin bref, en tout cas, faut aller au nord, ça c'est sûr, donc on verra là-bas. Hein. Il n'y a pas des gens à recruter d'ailleurs dans cette ville parce que je suis pas retourné depuis longtemps donc il faudra peut-être vérifier. D'ailleurs je me demande si... Et ils veulent nous laisser passer ou non? Vous êtes leur classe, j'ai reçu des ordres de Lord Joey, veuillez entrer. Très poli n'est-ce pas? Ouais tant mieux. Et le mec à gauche là, il peut pas... En ce moment... Mon cœur flotte dans les cieux et c'est moi je médite. Putain c'est son nom qui m'a... J'ai cru que c'était un nom à retenir mais non. Non. Du coup on reviendra le chercher quand son cœur aura fini de flotter, ce sera écrasé comme une merde au sol. On puisse venir l'écraser, encore plus, lui rappeler qu'on est là pour lui, il nous rejoindra. Voilà. J'aimerais baisser les autres et prendre le pouvoir. Le gros truc de bâtard. Ouais, ben, je crois pas qu'il y ait de trucs en plus dans cette ville. Peut-être au nord. Hein. Je ne pense point. Ouais, non, apparemment, il y a rien. Ah, c'est qui, elle? Ouais, non, elle avait... de dos, elle avait l'air importante parce qu'elle a les cheveux noirs. Mais en fait, non. Ouais, parce que dans ce jeu, il y a... ça marque maintenant, mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça de perso avec les cheveux noirs, maintenant que j'y pense. Vous voyez, même ça, je considère pas trop ça comme du noir. C'est du noir, c'est plus marron, très clair. C'est pas encore totalement noir, mais l'autre, c'est vraiment noir, noir, bien noir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh, vas-y, je peux pas... améliorer mes armes ici parce que ça fait longtemps. Ouais non, ça fait depuis le combat contre Lucas qu'on sait pas améliorer nos armes, je trouve que ça fait vachement longtemps, donc bon bah j'aurais bien voulu mais apparemment non, ils me disent fuck. Bon ici personne à recruter, hein. On vérifie toujours au cas où non. Oh, putain. Oh alors celle là elle était vraiment pourrie quoi. Mais non. Mais non. Je pensais qu'il serait important, hein, vu qu'il avait un chapeau sur la tête, mais non. Enfin, un chapeau. Ça avait un nom, ce genre de chapeau, là. Les rubans, j'ai oublié le nom. Non, c'est pas un ruban, c'est... Je sais plus. Mais ça a un nom précis. Enfin, bref. On s'en branle. Hein. Mon Dieu, on pourra pas finir le jeu si on n'a pas le nom du chapeau. Ah du coup si j'aurai un combat je verrai comment se bat l'Orlai. Ce sera cool. J'aurais bien voulu un petit combat là. S'il vous plaît. Je dis s'il te plaît hein. Alors je te dis s'il te plaît donc tu me donnes un combat hein. Quand je dis s'il te plaît tu me donnes ce putain de combat s'il te plaît. Voilà, je me dis s'il te plaît. Un petit gros blanc, ah mon dieu. Ouais l'Orlai se bat pas vraiment avec un bâton hein, elle se bat plutôt avec une hallebarde. Mais bon, c'est pas grave. Oh,
Ouais, voilà, au moins on aura vu son arme en jeu, c'est cool. Elle aura pas le temps de l'utiliser, mais c'est pas grave. Oula, oula, oula. Oh, la musique ici, elle est dark. Oh là là, la musique. Oh, il y a longtemps que j'étais pas venu ici. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Eh, c'est là, n'est-ce pas? C'est là que toi et moi, on a attendu Joey. Oui, c'est bien là, t'es pas obligé de t'exciter pour autant. Que venez-vous faire ici, jeune dame? Waouh! J'ai eu si peur! Me parlez pas d'un coup comme ça! Je suis Teresa, mère de Green Hill. Voici Lord Glass, chef de l'armée d'Ali. Nous venons discuter de la paix. Pardonnez-moi, mais Lord Joey est à la réunion de Jostone Hill. Veuillez passer. Ok. Oh putain, je me sens pas bien d'être ici, perso. Ça me... Alors voici Muse, hein. Ouah, c'est grand. Et bon, ben, je vais explorer les lieux un moment. Hé, hey, où tu vas? Oh, vous en faites pas, il est assez grand pour ne pas se perdre. Allons donc vers les lieux de la réunion. On dirait qu'ils se connaissent pour qu'elle sorte ça comme ça. 32 minutes, ouais, ça va, on a encore du temps. Je sais pas si je peux me permettre d'entrer dans... Ouais, non, non. De toute façon, tout le monde est mort ici, enfin... Parce que souvenons-nous que forcément, il s'est passé quelque chose dans cette ville, hein. Pour ceux qui ont suivi les vidéos ou qui connaissent déjà le jeu. Quelque chose apparemment, d'après ce que je pense, en rapport avec la rune bête. Mais bon, on n'en sait pas plus pour le moment, donc bon, bah... Bah j'aimerais bien que le lag s'arrête, parce que là je lag en fait. Putain non, je me tape à gros lag. What the fuck? What the fuck le lag? Ah c'est passé je crois. Allons-y. Ah non, forcément ils vont être à gauche, vu qu'ils sont en réunion. Attends mais what the fuck? Qu'est-ce qui me fait laguer comme ça? Il y a... Voilà, le coup de lag est passé. Je pense que j'aurais fait une mini coupure du lag au montage, parce que... Ça me fait chier. Les lags, généralement, je les laisse quand il y en a, mais bon, je dois vous avouer que ça me saoule un peu de les laisser à chaque fois. Je sais pas, ça fait pas beau ça en premier minute d'une vidéo. Oh putain, là. Oh putain, la vue, elle est magnifique. Eh, limite. J'ai honte de dire ça, mais j'ai l'impression, en fait, les développeurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une photo et ils l'ont mis en fond JPEG. Mais là, je crois qu'ils ont vraiment... Parce que le monde, on dirait une vraie photo, le monde arrière. Ou alors, le mec qui a dessiné ça, putain, il dessine vachement bien, alors. Hein. Mais on dirait une vraie photo qui a été foutue en fond, quoi. En JPEG, de qualité dégueulasse, et ça expliquerait pourquoi c'est comme ça. Par aller à la réunion, veuillez traverser par l'avant. Ok. Pourquoi pas? Non, non, mince, je sais, par l'avant, c'est par là. Seigneur Kless et Lady Teresa, nous vous attendions, veuillez entrer. Merci, allons-y, Seigneur Kless. J'en baille, oui. Seigneur Kless, Lady Teresa, veuillez continuer à avancer, Lord Joey est à l'arrière. Putain, on va revoir Joey, quoi, merde, enfin! Oh, putain, on va revoir Joey! Yeah, Joey! Ah, malgré tout ce qu'il a fait, voilà quoi, je l'aime bien encore. Parce qu'on connaît pas encore ses raisons, donc je me dis que bon, bah, c'est peut-être que dans le fond, il fait ça pour le bien. Hein. Puisque, même si je sens qu'il y a un coup louche dans le coup de la paix, et que j'ai des doutes, je sais pas, est-ce qu'il est réellement devenu méchant? Je pense pas totalement. C'est bizarre, c'est louche, cette histoire. Il y a si longtemps que laisse un ami, mais arrêtons de nous faire des idées de ce qui peut se passer. Hein. C'est que mauvais dans un jeu de faire ça. Joey, c'est vraiment toi, Joey, tu vas bien? Oui, très bien, mais j'ai changé de nom, je m'appelle Joey Blight. Enfin, malheureusement, ton nom, c'est ton feu. Attends une minute, mais c'est con. Normalement, c'est la meuf qui prend le nom de famille du mec. C'est stupide. Enfin bref, ils font comme ils veulent. Hein. Kless, comment vas-tu? Oh, pas mal. Je suis heureux. Que se passe-t-il? Il paraît que c'est une conférence de paix, mais il semble qu'aucun préparatif n'ait été fait. Eh ben, cet endroit a été conçu pour les conférences de paix, mais cette fois-ci, c'est une capitulation sans condition de votre part. Quoi? Qu'avez-vous dit? Ça signifierait que... Joey, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais que tu voulais arrêter Lucas Blight et cette guerre stupide! Je croyais que tu nous avais quittés pour ça! C'est vrai, Nanami, mais le monde est bien plus compliqué que je ne pensais. Kless, je t'en prie, ici maintenant, rends-toi à Aetland, sinon... Pourquoi? Oh, attendez, j'ai un cheveu dans la bouche, c'est dégueulasse. C'est bon, il est parti, Berk. Je déteste avoir un cheveu dans la bouche.
Du coup, désolé pour pour ça. Pourquoi tu as vaincu le câble? Si tu avais vaincu le câble, non, si tu as vaincu le câble light, tu. Oh là. Là, il y a un gun derrière nous. Je suppose que je dois être digne de l'opinion que vous avez de moi maintenant. Si vous refusez, les flèches voleront à l'unisson. Désolé, Eccles, Nanami. Je suis commandant de l'armée d'Eklon maintenant. Eccles, chef de l'armée d'Eli. Nous ne sommes plus de vieux amis, nous sommes ennemis. Je te demande de capituler devant l'armée d'Eklon, Eccles. Je peux pas faire ça. Non, non, pas déconner. Joey est devenu un enfoiré, j'ai envie de le buter. Vous ne pouvez pas repartir, s'il vous plaît. Non. Cette guerre, c'est entre moi et Luca Blade, c'est le plus important, voilà pourquoi. Non. Je vous en prie, Eccles. Je ne veux pas vous perdre, mais je ne vous demande pas de comprendre. Eccles! Vous êtes vraiment têtu, je n'ai sans doute pas le choix. Vous pensez que ça va vraiment aller comme ça? Oh, good! Il y a même Pilika! Pilika, que fais-tu là? Échappez-vous, Eccles! Et Pilika? Vous ne partirez pas, Archer. Ah, attendez, ne tirez pas. Mais pourquoi, Joey? Désolé, mais je ne peux pas devant Pilika. Vous ne faites que prolonger cette guerre inutile, vous savez. Je le sais. Putain, parle! Pilika. Ta voix. Joey. Oncle Joey. Enfin, tu es revenu. J'étais si triste. Oh putain. J'étais si triste sans toi. Oh merde. Vas-y, dis que t'en as rien à branler de nous quand même, petite conne, va. Voilà, c'est bon, là, vaut plus de l'écran, je pouvais dire ça. Fallait pas qu'elle m'entende, hein. Par ici, vite! Attendez, Pilika, Pas question, je n'obéirai pas à cet ordre. Ouais, je comprends. Fayon tient par la main, c'est ma mère. T'en empêches, Victor, ni vu ni connu. Il arrive comme ça, c'est la fête. Bon, allez, viens avec moi. Apparemment, j'ai de la place. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, mais oui, c'est Chaco! Il est passé où ce con? Je l'ai zappé! Merde, Chaco! Le boulet! Nina, droite. Ouais, ouais, c'est bien un ami, on peut le mettre au milieu. Oui, je me fie à la direction des visages. Sauf Class ou Class, je le mets toujours au milieu. Voilà. On se grouille. Mais j'espère qu'on va pêcher au Chaco au passage parce que putain. Ce con se promène, c'est cool, mais bon, faudrait peut-être qu'il revienne. Il y a personne pour nous arrêter, c'est chelou. Ah, je me disais aussi. Ici, Eccles et Teresa, ne laissez pas s'échapper. Mais genre, ils vont nous arrêter, quoi. Auto, et ça passera tout seul. Waouh, les archers peuvent sauter. Enfin, non, je suis con, il a pas sauté, merde. C'est le mec à l'avant qui a sauté pour m'attaquer et j'ai cru que c'était l'archer parce que j'ai vu une balle sortir de lui. Mais en fait non, c'est la balle qui lui est passée au travers. Ah là là. Putain, eh mais elle, quand elle tape, eh mais Nina, elle est cheatée niveau dégâts mine de rien. Vous vous rendez compte, ses armes ne sont pas évoluées et elle tape aussi fort. Enfin, je crois que c'est pas évolué. Mais si elles sont vraiment pas évoluées, vous vous rendez compte, les dégâts qu'elle fait, elle fait du sang. Putain, attends, enfin, peut-être que je m'occupe un peu de Nina parce que je suis choqué par les dégâts qu'elle a fait. On leur laisse pour dormir, ça c'est cool. Ou alors c'est une de ses caractéristiques. Ah non, elle a fait une attaque critique en fait, Nina, je crois. Ça expliquerait pourquoi elle a fait autant de dégâts. Ouais, ouais, ça devait être un coup critique plutôt en fait, j'ai de la merde. Ouais, cool. Bah, cool. Attendez, mais je me barre sans Chaco là? Ah oui, carrément! J'ai limite envie de courir quoi. Ouais non, tout à l'heure c'était bien coup critique qu'elle a fait un Nina. Mais bon, attaque quand même du 50, enfin du 40, donc 48 j'ai cru voir, non, donc, ouais, on dira 50, hein, donc c'est déjà pas mal. Mais bon, c'est banal on va dire au final. Mais bon, elle a pas des stats dégueu non plus apparemment. Ah non, je suis pas d'accord, là, le mec est revenu sur elle, a tourné encore, il aurait dû se prendre au moins un coup de sac.
Bon ben... Du coup, je sais pas si normalement on doit chercher Shaco ou si on doit quitter comme ça. Je dois vous avouer, là, flipper un peu pour lui. À la limite, je peux pas sauvegarder ici. C'était à part en bas. Oh là, attendez, j'ai un autre coup de lag. Ah, c'est ici qu'il faut aller en bas. Parce que si je peux sauvegarder ici, on s'arrête là. Ouais, je peux même pas rentrer en fait. On a combien de minutes? 42, oh, tranquille. Sachant que je vais faire des coupures, donc ouais, bah, on sera sûrement à 40 environ. Ah bah le voilà, Shaco. Mais il y a des lacs, c'est le problème. Eh hey, par ici, on ne va pas se laisser prendre par des gens comme eux. Attendez, remettez ce levier. Ah, pas question, hein. Si je le fais, la porte va se refermer. Chum l'a dit. Ok, voilà pourquoi Chou lui a demandé. Parce que lui, il avait la possibilité de voler. Donc il pouvait s'enfuir plus facilement. Et il avait prévu un coup de fourbe. J'ai ouvert la porte de Story pour nous. Attendez, voyou, qui êtes-vous? Vous voulez essayer de vous battre avec le chef d'armée d'élite? Aïe! Les tarlouses. Allez, bougez, bougez, on a pas d'aile. Ah, mais vous pouvez avoir des jambes, non? On court, bonne idée. Ah, vous avez mis du temps, j'en ai marre d'attendre. Mais ça m'y aime, prenne frame de seconde! De quoi parlez-vous? Ben, nous aurons pu nous échapper au moins. Victor, que faites-vous là? Et Pelika aussi? Eh ben, voyez, Chou savait que cela allait arriver. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que vous ayez le moindre rancune. Enfin bon, il faut sortir d'ici. Flic conduit les troupes et dirige et devrait nous rencontrer au village Toto. C'est donc pour ça que vous voulez emmener Pelika aussi? S'il nous attrape, nous sommes mal pris. Attendez! Ouais, bah du coup, Pelika c'est foutu maintenant. Ok chef, nous voilà. Comme l'a dit Chou, il n'y avait pas beaucoup de soldats à l'est de Muse, mais c'était assez dangereux. Enfin, voilà, alors je croyais que je vais prendre un bon bain et enlever cette transpiration. J'ai faim, ok. On sait déjà ce que foutrait Victor s'il était sur Twitter. J'ai faim, tous les jours. Avec un avatar KFC. Non, c'est pas une private joke. Pas du tout. Enfin bref, du coup, bah écoutez les gens... Encore une vidéo où on a bien avancé, il s'est passé plein de trucs là. Le jeu il est intéressant, là, il est cool. Mais bon, je le dis malgré tout, je préférerais toujours Suikoden 1 ou 2. Ah putain, cinématique. Parce que voilà, quoi, Suikoden 1. Enfin, j'ai déjà cité tous les points, je vais pas revenir dessus, ce serait me répéter bêtement. Seigneur Class, vous êtes sauf et Victor et Flick ont fait du bon travail. Pelika, pourquoi avoir emmené Pelika? Parce qu'il le fallait. Vous vous servez de cet enfant et je vous pardonnerai jamais. Je n'ai pas besoin de votre pardon. Oh putain, Nanami qui grogne, c'est beau. Seigneur Class, vous pouvez me détester si vous le voulez, mais n'oubliez pas qu'on a besoin de vous. Je ferai n'importe quoi pour vous protéger. Ouais. Bon, bah écoutez, on va aller sauvegarder. Mais... pas dans le château. Voilà, on va pas sauvegarder dans le château parce que j'ai un pressentiment... je dis peut-être de la merde, mais par précaution, je veux pas se faire dans le château. Voilà. Du coup, on va aller à... Bah n'importe où, on va juste sauvegarder pourquoi je me prends à la tête. Voilà. Allez, allons à deux rivières. Oh non, un truc plus près. Attendez, où est-ce qu'il y a un point de sauvegarde à l'entrée de la ville? Oh, je me prends la tête pour rien. Allons à... Excuse. Voilà. On se prend pas la tête, hein, tranquille. Donc écoutez les gens, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis salut à tous et à la prochaine. Pour la prochaine vidéo de Suikoden 2. Voilà. Salut tout le monde. Par contre, attendez d'abord, on sauvegarde ici. Voilà. Voilà. Allez, au revoir les gens. Hop. Voilà, on quitte le jeu. Ciao tout le monde. Oui, je voulais vraiment attendre le dernier moment. C'est le mec qui en rajoute un petit peu. Allez, salut.